C'est au Danois Wilhelm Hansen, né en 1900 et mort en 1992, que l'on doit la création du petit ourson Petsy. Sur des textes de sa femme Carla, il crée en 1951 le personnage qui le rendra célèbre et l'exporte bientôt dans toute l'Europe. Petsy et sa salopette rouge à pois blanc est une silhouette bonhomme et sympathique, immédiatement reconnaissable. Plaisant et rassurant comme une peluche, Petsy s'adresse aux plus petits. Nous allons nous intéresser à l'album Petsy aux pyramides, puis Petsy fait le tour du monde. Petsy a pour inséparable ami Pingo, le pingouin aux nœuds papillons, Ricky le pélican, Caroline la tortue, ainsi qu'un phoque taciturne, fumeur de pipe et amateur de sieste appelé l'amiral. Dans cet épisode, ils se dirigent vers l'une des sept merveilles du monde, les pyramides d'Égypte. Ils admirent le sphinx, puis le crocodile, gardien des lieux, leur fait visiter la pyramide. Ils découvrent la salle des peintures, où ils ont la surprise de se voir représentés sur une fresque murale. Pingo y va de son commentaire. « Peut-être pas très ressemblante, mais les couleurs sont jolies. » Ils passent aussi devant des momies qui laissent deviner des formes d'animaux exotiques. Puis ils viennent en aide à un rhinocéros en pleurs, perché sur le sommet de la pyramide. D'une gentillesse désarmante, notre ourson ne manque jamais de venir en aide immédiatement à toutes les créatures qu'il rencontre. Pour se remettre de leurs émotions, Petsy et ses camarades n'aiment rien tant que de manger des piles impressionnantes de crêpes. Mais ils ne dédaignent pas non plus une bonne glace à la vanille. Dans les éditions originales, notamment les versions françaises publiées par Casterman entre 1958 et 1984, les cases ont des coins arrondis, le fond des pages est coloré et le dialogue, d'une grande simplicité, figure sous les images. Selon un procédé original, chaque réplique est accompagnée par la représentation de la tête du personnage qui parle. Les éditions contemporaines ont modernisé la présentation et fait de Petsy une bande dessinée à bulles d'apparence classique, ce qui lui a sans doute ôté une partie de son charme. Dans le 9e épisode, Petsy fait le tour du monde. Il s'engage dans un pari à la Jules Verne. D'accord, Petsy. Si tu réussis à faire le tour du monde en 50 jours, je te donne 50 gaufres pour toi et tes amis. Nous t'attendrons ici en jouant aux cartes. Petsy tape dans la main de son ami le cochon et voilà la joyeuse troupe engagée dans un tour du monde. Pour ce faire, il voyage notamment à bord d'une baignoire qui sert successivement de nacelle à un ballon, puis d'embarcation, peut-être une réminiscence de la fameuse baignoire à usage multiple des Kinder Kids, imaginée par Lionel Feininger en 1906. La petite bande emprunte toutes sortes d'autres moyens de locomotion. Un éléphant en Inde, un dragon en Chine, puis une baleine qui les transporte jusqu'en Amérique. Un singe à l'allure de cow-boy les informe que le train n'existe plus et qu'il a été remplacé par des fusées. Ils se retrouvent ainsi à côtoyer la Lune et à atterrir à destination en moins de 50 jours. Petsy et ses amis parcourent un monde rassurant, peuplé uniquement d'animaux gentils. Ce dessin naïf s'adresse à un public enfantin et véhicule des valeurs de camaraderie qui se concrétisent souvent à la fin des épisodes autour d'une pile de crêpes et d'autres gourmandises. D'ailleurs, Petsy conclut ce tour du monde en s'exclamant « Les joueurs de cartes, à nous les bonnes gaufres !»